tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ce sera ménage, tri, tout ce qui s'ensuit. Bientôt, ça va être la fin d'année et j'ai décidé qu'avant le déballage des nouveaux cadeaux de Noël, on va déjà faire le tri de tout ce qui est cadeau, de tout ce qui est jouet, tout ça. Et aussi, je vais nettoyer un petit peu partout, que ce soit dans la maison ou à l'extérieur. Donc là, on va commencer par le garage, donc le hangar plutôt. On a deux parties, je vais vous montrer, je ne sais plus quand est-ce que vous avez vu une de mes vidéos où je nettoyais, rangeais cette partie-là. Et là, c'est redevenu encore une fois le désordre. Je vais rester polie. Donc, je vais vous montrer un petit peu tout ça aujourd'hui. Après, je passerai dans chaque chambre des enfants. Là, je les ai demandé de nettoyer, ranger un petit peu. Donc, après, je vais faire les tris. Donc, de tout ce qui est vêtements, jouets, cahiers, livres et tout ça. Et voilà, tout simplement. Peut-être que je ferai une autre vidéo sur des idées de repas de Noël. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, ce sera le thème de la vidéo. Si vous me voyez dans la même tenue que la précédente vidéo, c'est parce que j'ai fait cette vidéo le même jour. J'ai fait le déco de la table et en même temps, là, je vais faire tout ce qui est nettoyage et rangement. Vous allez halluciner quand vous allez voir l'état de ce hangar. Si vous avez déjà vu la vidéo où j'ai déjà justement nettoyé tout ça. A tout de suite. On commence par ici. Hashtag faites des gosses. Tout de suite, mettez-le dans les commentaires. Et rassurez-moi que je ne suis pas la seule à avoir des petits monstres à la maison. Donc ici, on a besoin de tout, même des patères. On sort les trucs qui sont normalement ne doivent pas être encore utilisés. Voilà, désolée pour le bruit. Encore une fois, je ne peux pas empêcher un chien d'aboyer. Alors ici, donc il y a un cube de jouets. Donc je ne sais pas pourquoi c'est au milieu du hangar. Tout ce que vous voyez là, c'est la catastrophe. Mais bon, ici je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça l'état du truc alors que c'était bien rangé. Donc voilà. Je vais mettre à contribution tous les petits monstres qui ont fait que c'est devenu comme ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais rangé cette boîte bien, bien, bien rangée. Et voilà, à croire qu'ils apprennent les continents, mais je ne crois pas. C'était juste pour sortir les trucs. Mais bon, je vais arrêter de d'être mauvaise là dans mes paroles, mais bon. Ça, je comprends pas. Après, on n'a plus de peinture parce que ça s'est asséché, parce que on oublie de le fermer. Donc voilà, là c'est encore là, parce que des fois ça tombe aussi. Ça, il faut que j'enlève parce que c'était au moment où Arena a préparé son brevet. Ça, je sais pas si je vais garder là ou si je vais changer de place. Mais en tout cas, l'objectif d'aujourd'hui, ce n'est pas de réemménager les trucs, c'est juste de ranger, ranger. Ça, je comprends pas pourquoi c'est sorti à l'extérieur alors que c'était bien rangé dans un tiroir à la maison. Donc voilà, ici par contre c'est pas leur faute. Juste en haut en fait, il y a des fuites, je sais pas quoi, c'est la clim de la personne qui est en haut. Et en fait l'eau de la clim ou je sais pas du baignoire, je n'ai pas trop compris le truc parce qu'on n'a pas accès chez eux, ça tombe directement dans notre hangar. Et vu qu'on ne nous laisse pas la possibilité, donc en fait la possibilité au, comment on appelle ça, aux plombiers de rentrer chez eux, donc on subit ça tous les jours. Après il y a le toit aussi qui fuit un petit peu, mais même quand il pleut pas, il y a quand même de l'eau comme ça. D'ailleurs mon fils est tombé plusieurs fois. J'avais mis un truc là-dessus pour récupérer l'eau. D'ailleurs c'est là. Mais je ne sais pas pourquoi les enfants l'ont enlevé. Il paraît que ça fuitait aussi. Du coup ils ont enlevé et du coup mon fils est tombé. Voilà. Donc il y a plein de papiers par terre hein, pour pas changer. Et ici c'est la partie où on fait du yoga. Et voilà l'état. Voilà. Et là c'est, je vous en ai parlé l'autre fois, c'est leur petite création, 24 petites maisons à créer. Et c'est eux qui ont fait la réunion en fait avec un carton et ils ont fabriqué un petit volcan juste à côté. Ensuite voilà les petites boîtes que j'avais achetées
n'y a pas longtemps, il y a quelques jours. D'ailleurs, vous n'avez pas encore vu ma vidéo retour de course parce que je ne l'ai pas encore postée. Et en fait, c'était pour mettre les cactus parce que j'en ai marre que les cactus tombent tout le temps par terre. Là, au moins, ils sont en sécurité dans leur petite boîte, dans leur jolie petite boîte, parce que des fois, de l'autre côté, en fait, il y a des enfants qui tapent. Et vu que moi, j'avais mis ça à côté du mur, ça faisait tomber à chaque fois mes cactus. Mais bon, on ne peut pas tout contrôler dans la vie. Ensuite, il y a ça. Donc d'ailleurs, je vais le faire maintenant. Il y a un autre. Voilà. Voilà. Là, c'est mieux. Je pense que je vais remplir de terre toutes les je sais pas. Je sais pas comment je vais faire, mais en tout cas... Voilà. Donc je pense que je vais commencer par celui-là parce que je trouve que c'est le moins pénible. Après les gazons là, c'est hyper compliqué à nettoyer quand il y a plein de petits trucs comme ça. Mais bon, je vais essayer de ranger. Je vais essayer de trouver une place pour poser ma caméra. Je vous montre un petit peu l'état du tapis. Vous voyez, il y a des petits trucs là, qui traînent un petit peu. Là, par exemple, il y a quelque chose. C'est ici le pire parce qu'il y a des feuilles mortes qui débarquent de je ne sais où, mais qui arrivent ici alors que là, il y a un gros tôle. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'arbre. Et pourtant, à chaque fois, il y a des petites feuilles mortes qui tombent. Donc ça c'est de l'autre côté, là-bas, ça je sais pas c'est vous, mais bon. Donc je vais nettoyer tout ça, je vous montre le résultat après. En attendant que je nettoie ça, je vais dire aux enfants de ramasser tout ce qu'il y a par terre. Voilà, tout ça, tout ça, tout ça.
carte, comme petit tenage, vous allez pour un emprunt. Ça y est, j'ai fini celui-là. J'ai déplacé le miroir du coup de l'autre côté parce que là en fait il y avait la pluie qui rentrait, donc du coup le contour du miroir commençait à se détériorer, et pour éviter que ça arrive pour ce côté-là, j'ai préféré le mettre ici. Voilà, donc c'est propre. Je suis contente. Maintenant, je vais passer à celui-là. Les enfants ont bien avancé. Il ne reste plus grand-chose. Ça, c'est les trucs qui étaient là que j'ai fait. J'ai balayé, en fait. Il s'est tombé un petit peu ici. Donc, je pense que je vais remettre la Réunion et ses petites maisons sur le tapis. Parce que là, il n'y a pas trop de place. Et moi, je vais consacrer cette table pour mon puzzle. Parce que moi, je me suis acheté un petit puzzle pour moi, pour Noël. Et j'ai pas envie de m'arrêter. En fait, j'ai pas envie de re-ranger à chaque fois quand je commencerai à faire le puzzle. Donc, je vais bien vider cette table et je vais faire mon puzzle là. Donc ça, c'est parce que normalement ça devait être là. Mais je vais voir, je verrai. Au pire, on va le mettre là. Au pire, ce serait mieux, je pense, non? Au mieux, mais pas au pire du coup. Au mieux, on va le mettre ici. On va lui donner une petite place. Allez. Je vais faire ça. C'est mieux comme ça. Voilà, c'est mieux là. Comme ça, ça traîne pas partout. Merci. Ça, je vais continuer à nettoyer ça. Mais tout d'abord, je vais nettoyer cette partie là. Ça me fatigue déjà. Et là, je repense à remettre tous mes matériels sportifs. Parce que je vais reprendre le sport l'année prochaine. Donc, je vais demander à Chérie de remettre tout ça parce que vu qu'il n'y a pas trop d'enfants non plus qui font le yoga, bah, je vais remettre mes activités, quoi. Je vais remettre mes petits bidules sportifs. Voilà. Et là, il y a Grito qui regarde fixement la caméra.
J'ai nettoyé celui-là aussi. Il y avait plein de toiles d'araignée sur le, sur la table. Donc, j'ai dû enlever avec mon petit plumeau bleu. Hyper beau. Donc, il n'y a plus rien. Voilà. Regardez. Là, il y en a encore un petit peu. Là, vous voyez là? Là, c'est de la toile d'araignée. Voilà. Allez, je continue. Alors, je vous montre enfin quand c'est fini. Là, il y a le seau parce qu'il y a de l'eau aussi qui coule là. Ici, donc, c'est comme ça. Là, c'est propre. Rangé, plus ou moins, parce que je les ai laissés rangés, comme j'ai dit tout à l'heure. Ça, il faut que j'enlève. Regardez les petites paillettes qu'il y a dans, le, dans la pelle. Ça, c'est mon nouveau trépied. Et voilà. Ça aussi, je vais enlever les trois là. Mais au moins, c'est propre. Et voilà, là aussi, j'ai remis là. Mais je vais chercher du coup une autre bassine pour récupérer l'eau du coup qui tombe de là. Et voilà. Ici, je vous ai déjà montré tout à l'heure. Allez, on passe dans les chambres maintenant. Recoucou tout le monde. Je vous retrouve que le lendemain parce que j'ai pas eu le temps de finir. J'avais le repas, l'emballage des cadeaux et tout ça. Et du coup, je reprends la vidéo aujourd'hui. Je vais chercher un petit peu ce truc. Voilà, c'est mieux. Donc, comme vous voyez, ils ont quand même un petit peu rangé, mais c'est toujours, ça reste toujours à mes yeux le désordre. Donc ici, on va nettoyer, trier les linges aussi, parce que moi, j'ai pensé à trier tout ce qui est linge, donc tout ce qui est là. On va trier tout ça. Là, je pense qu'il n'y a pas grand chose parce que j'ai déjà plus ou moins trié tout ce qui était voiture et tout ça. Donc, je vais essayer de faire que ce soit un petit peu plus rangé et convenable à mes yeux. Voilà. Je pense que c'est tout. Ok, je vais essayer de trouver une place pour poser la caméra. Et je vous filme tout ça.
Ça y est, j'ai fini le tri. Il n'y a presque plus de trucs cassés. Presque plus. Il n'y a plus de trucs cassés en tout cas. Donc ici, ça devient ça. J'ai vidé tous les trucs. En fait, le sac qui était là, je l'ai mis à l'intérieur. Donc ça, c'est plus propre. Ça fait plus rangé. Ici, donc, j'ai trié aussi les linges. J'ai mis en haut toujours les trompettes de Erwan. Ici, le dinosaure. Normalement, il y a un autre carillon, mais je vais chercher dans les autres chambres après. Et voilà. J'ai rangé les linges, comment dire ça, le circuit qui était très grand. Je l'ai mis le petit là et les petites voitures, je les ai mis ici. Et les dinosaures, figurines, tout ça, c'est là-bas. Voilà, donc j'ai fini la première chambre. Je vais passer maintenant aux autres chambres. Alors, je vous montre maintenant la chambre des filles. Donc, comme vous voyez, c'est plus ou moins vide parce qu'ils ont commencé à trier. Il y a quelques trucs qui traînent. Ça, c'est les linges qu'il faudra plier. Et là, ils ont rangé un petit peu ici. Donc, je vais vérifier tous les tiroirs, ranger, donner un petit peu d'ordre à ça parce que c'est n'importe quoi. Mais voilà, il n'y a plus rien. Plus ou moins plus rien. Et voilà, le lit, il faudra re-ranger encore une fois. Je vais vous faire juste un avant et je vous montre l'après parce que j'ai pas beaucoup de mémoire sur mon téléphone. Voilà. Et voilà, j'ai rangé un petit peu. Voilà, donc il reste plus que ça. Ici, c'est limite vide. La poubelle, je vais l'enlever là. Ici, pareil. Là, ils ont rangé plus ou moins leur lit. Ici, pareil, c'est rangé. Et voilà, donc j'ai fini pour les chambres. Je vous montre juste, je pense, la chambre de ma plus grande. Elle, j'ai pas besoin de trier, elle sait le faire toute seule. Mais je vais vérifier si c'est rangé. Donc voilà la chambre de ma fille, rangée, plus ou moins. Plus quand même que moins. Voilà. Donc ici, il n'y a pas grand-chose à faire. Voilà. Elle a changé le style des luminaires. Je ne sais pas pourquoi elle a fait comme ça, mais bon, c'est son choix. Donc la vidéo se termine là-dessus. Je suis en sueur. Mais bon, c'est normal, c'est pour la bonne cause. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, cette longue vidéo. Je vous fais à tous de gros bisous et n'oubliez toujours pas, s'il vous plaît, de vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne alors que vous regardez ma vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!